un général de forces armées congolaises, y qu'au chef d'état-major général, ou bien un ministre de la Défense, ils sont le premier, il y a pas de information, il y a sécurité, il y a une ministre intérieur, il y a un chose drôle, il y a un chose qui est corrompu, qui est que les militaires étrangers vont dire mon pays. Les militaires étrangers vont occuper face à Fulani, les autochtones congolais, les résistants, les gens qui résistent à la planète, les gens qui sont en train de se faire. Les gens qui sont en train de se faire sans être intercalés. C'est ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur, ça nous gêne beaucoup et on en a marre. Avec ces agresseurs, ces envahisseurs, on en a marre avec ces réfugiés qui ne veulent pas accepter leur identité. En tout cas, assez c'est assez. Peu importe la manière dont on est, le Congolais présentement, le révolutionnaire patriote, le résistant partout où vous êtes, c'est le moment de nous unir. Nous devons maintenant parler un seul et même langage. Nous devons maintenant parler le même langage. Parce que la libération de la RDC ne viendra jamais de l'Europe. Ne quittera jamais entre les mains des Blancs. Détrompez-vous, chers compatriotes. Ce sont nous-mêmes qui devons tout faire pour que tout libérer Ndjietu. Tout libérer ma Ndjietu, ma Chambazetu, Milimayetu, tout libérer ma territoire Zetu, Zenye, Ziko convoité, envié par les envahisseurs. Ba multinational ba ko convoité na mali ya Congo, ha ba ezi ya chilili ya tatu fanye nini. Ha ba ta chilia, dawa ya moto ni moto. Ili deja, moto njwe na bakia, parce que tulisema ko kabila atoke, se mouli wama na sema atoke. Mena, est-ce que Kabila Njo mwenyeko iko naonekana ku micro? Kabila Njo alikuwa Belgique hapa juzi na Amerika juzi. Haiko Felix wewe. Ku nani réunion à conseil sécuritaire Nations Unies. Si ni mukasa yule. Bana mwita ni mukasa yeme mukichwa kia mona kitu. Ce sont des traîtres ces gens-là. Ils sont utilisés. Alors après Kabila natoka, Kabila mwingine anazaliko. Na njo vile tusipotiria attention. Huyu mwenye iko Kabila de Felix, munaita kama njo Chilombo, anaweza kutoka na mwingine atazaliwa. Munaita Kamere. Kamere si na njo mwosi, njo wa vampire, be muko nabo na ba escro, ba tretre, ba mwizi, ba vampire, ba tiwere, ba vwayo, ba vampire, bako nabo na ba mibia, ba mizise yao. Me, si janda, pata tusaidia ni les irresponsables. Ni wakati ya kukamata les armes moto kwingine na kuwakimbiza. Hakuna kingine cha kuwasaidia. Français mlishasema mkatokota ya mingi, mkaongeza kwa na lugha ya bale wazungu ingine ya anglais. Hakuna kitu kinabadilika. Ere koki. Esengli biso nyoso wa kongole sika tozali totelema. Tozala mtu moko. Tozala ideology moko. Tozala na objectif moko. Tozala na determination moko. Tous à la peine à planification, moko. Parce que l'air est grave. Merci beaucoup, chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Présentement, au niveau du Nord Kivu, toute la ville de Goma est encombrée par des nilotiques, des Rwandais précisément. Dans le territoire de Rutshuru, ils sont camouflés là. Dans la ville de Goma, ils sont en train d'occuper une parcelle et prendre une maison à 10 à 12 personnes. Dans la même maison, ils sont là, armés. Il n'y a personne pour les contrôler, personne pour les désarmer. Dans la ville de, dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Masisi, même. Vous vous souviendrez le chantage qu'ils ont fait, les phares de feu à Tiwe, le Munyawanga, le rebelle rwandais là, le FDLR Muda Chumura, hein, le chef rebelle de Muda Chumura des FDLR. Ils ont chanté, ils ont publié, on a tué. Mais depuis quand ils ont traqué les FDLR? C'était ça la mission de la MONUSCO en RDC.
stabiliser la paix en RDC, c'était chasser les FDLR, retourner au Rwanda, chasser les FNL, chasser les ADF. Mais au lieu de les chasser, il les dote la logistique. Il les dote la logistique. C'est leur business. Iko kope yabo, iko business yabo. Nana tatudanganya, tunajua les réalités yote. Nous connaissons ce qui se passe au pays. En fait, tulilala muda mrefu sana. Tungepashwa kuamka. Hivi haiyakuwa trop tard, tuamke, tuungane mkono, tusaidiane, tupeane mawazo, tushirikiane na tushirikishane mipango ya kazi, na kila kitu kitatembea vizuri. Ukiangalia leo hii, Sidikiv, njo vale, bako na bapitisha wale, bana batosha Rwanda, bana vuka, bana pita mplene, bana vuka, bana panda mule musi, kote ya sikirede Kiliba, bana ingia, mumaho plato, bana shukia kote ya Shabunda. Shabunda na Mwenga. Alors, bale wa jene, patriote militaire kongolebe bako kule, bana bayiwa kama bale wa patriote bako kule, ni wa resista venye hawa pendi mipango yote yenye, Felix eko napanga pamoya, etat major general la republique pamoya na batu ya ngamu. Bale wa jene wana bichukizo. Alors, ils sont informés parce que entre nous même kuna kwa kaba traite. Jisi wale wa militari walikuwa wako naongea, shi hatutaitika ya mabetize, shi hatutaitika kabisa tena watu waingie mwinchi yetu, toko bumu batuana, toko atake batuana, toko tika bangote. So, mtu Mungu abinika na kati na bango, azui mesaje ya transmeti na ngono, esika Mungu na zali. Siko muzuma, Mungu na tangu wa yoki kaka informasyo wana, lobi, okay. So kito tiki batuana kote wana, bako zala tre dangere. Kusudi basi tugeuke tuwatoshe mara moja kwanza kule. C'est ça ce qui est en train d'être fait. Basi banaweza tosha une force armée ya inchi yenye kuinstalle quelque part mon territoire et face fulani na yena ni commandant région hajue. Chef d'état major général de la République na sijue, ministre wa défense na sijue, ministre wa intérieur na sijue, rais na sijue. Si banabiyua, si hapo ndio bako na panel ma ordre. Si hawa njoo walikula zile mabilioni na mabilioni ya dolari ya damu ya wakongomani. Si hawa njoo walisinye ile maakoro ya kudivize nchi. Na mbona wapigia mikono waseme rais wetu, viongozi wetu. Mais vous êtes malade. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous punisse beaucoup. Parce que muko muna soutenir yenye hamuyue. Tous ceux qui sont en train de soutenir ce gouvernement irresponsable, c'est un gouvernement de traîtres, un gouvernement de sanguinaires. Alainiwe. Alainiwe kabisa. Mungu atusaidie wale watu walainiwe kabisa na waangamie na familia zao ziteketeze. Que Dieu vous bénisse, chers compatriotes. En tout cas, tunakasirika sana, hatufurahi kwa mambo yako nafanyika. Ila kwa ushirika wetu sote pamoja kila kitu kitatembea pamoja.